Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose mes recommandations de lecture contemporaine. Mine de rien, le contemporain, c'est un genre hyper vague. Et du coup, il y a forcément 1000 petites sous-catégories dans le contemporain. Dans mes recommandations aujourd'hui, entendez par contemporain qui se passe dans notre monde, qui est plutôt actuel, qui ne possède aucune magie, qu'aucun personnage ne possède de pouvoir magique. Ma première recommandation, c'est Fangirl de Rainbow Rowell, paru aux éditions Milady, réédité aux éditions Castlemore. Ce livre, c'est juste un coup de foudre, c'est... voilà. C'est un doudou. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Kat va rentrer à l'université, elle est persuadée qu'elle va faire une coloc avec sa sœur jumelle, sauf que non, sa sœur jumelle a envie de voir autre chose. Kat va se retrouver dans un univers complètement nouveau, avec plein de gens qu'elle ne connaît pas, et une passion qui n'est pas forcément toujours évidente à expliquer. Elle est surpassionnée de la saga littéraire Simon Snow, et on a carrément fait une fanfiction, Carry On, qu'elle publie sur un site de fanfiction, et qui possède beaucoup, beaucoup de lecteurs. Alors on aime ce livre pour plusieurs raisons. Déjà, la fanfiction, si vous aimez ça, le fait que ce soit abordé dans un roman, je trouve personnellement que c'était trop une bonne idée. J'ai beau avoir souvent pas mal de points communs avec les personnages que je peux découvrir dans des romans, je crois que j'ai jamais pu être aussi proche que je l'ai été du personnage de Kat. Voilà, elle m'a juste transcendée, cette meuf. Vraiment, je me suis tellement reconnue en elle. Sa fragilité, sa timidité, le fait de s'enfermer dans son univers, dans son monde, et de s'y prendre comme un manche pour les relations amoureuses, enfin... Ah, cette fille est trop cool! Et si vous avez aimé Fangirl, la fanfiction qu'elle écrit dans le roman, Carry On a vraiment été publiée par Rainbow Rowell, donc je ne l'ai pas encore lue, j'ai super hâte de la lire. Elle n'est qu'en anglais pour l'instant. Ma prochaine recommandation, c'est plutôt une recommandation auteur, parce que juste tous ces livres sont absolument à lire d'urgence. C'était la première auteure que je vous présentais dans mon rendez-vous L'auteur du mois, qui d'ailleurs est un rendez-vous qui va revenir, je vous rassure, c'est juste que là, je suis pas dans le mood. Il s'agit de Delphine de Vigan et de ses nombreux livres, mais notamment de Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie. Mais tous ces livres sont excellents, vraiment, je vous les conseille tous à 100%. Mais j'avoue que cette duologie est quand même particulièrement marquante, vraiment. Et la meilleure manière que j'ai de vous les recommander, c'est de vous en parler le moins possible. Voilà. Je sais, je fais jamais ça pour les livres habituellement, je suis là à vous en parler pendant des heures. Mais là, c'est moins on en dit, meilleur c'est. Franchement, quand vous découvrez tout petit à petit, c'est... Oh, voilà. Bref, c'est juste pas possible. On se dit, mais comment elle a fait? Comment elle a fait pour mettre tout ça sur papier et... Voilà. Petit conseil, à lire d'abord Rien ne s'oppose à la nuit, puis venir ensuite vers D'après une histoire vraie. Vous pouvez les lire dans le désordre hein, si vous en avez envie, c'est pas du tout une obligation, mais franchement, je trouve que ça a tellement plus de sens quand on les lit dans cet ordre-là. Recommandation suivante avec La Petite Chartreuse de Pierre Péju, paru dans les éditions Folio chez Gallimard. Celui-ci, je pense que c'est une de mes lectures les plus nostalgiques du monde. C'est le premier livre à avoir été chroniqué sur le blog. Ça en fait quand même un petit peu une lecture spéciale. C'est aussi un des premiers livres que j'avais acheté lors de ma première année d'apprentissage de libraire en 2007. Il a dû vécu. Bientôt 10 ans que je l'ai dans ma bibliothèque. Le libraire Étienne Vollard va heurter une petite fille qui sortait précipitamment de l'école pour aller rejoindre sa maman, qui n'était tout simplement pas là. Pris de remords après l'accident, il va accompagner la petite fille en lui lisant des histoires, en l'emmenant à certains rendez-vous quand sa mère ne pourra pas le faire. C'est une lecture pleine d'émotions. Attention toutefois à ne pas lire quand on a déjà pas trop le moral. Le cinéma français a décidé d'en faire une horrible adaptation que j'ai vraiment détestée et que j'ai vraiment regretté d'avoir regardée. Pour moi, ça n'a juste rien à voir avec le roman, surtout, surtout la fin. J'ai été très déçue. C'est un livre tellement particulier et ils en ont fait tellement une mauvaise adaptation. Déception. Je vous recommande aussi Absence de Lauren Oliver, paru aux éditions Hachette. Nick et Dara sont deux sœurs adolescentes qui vont malheureusement être victimes d'un accident de la route. Dara va en ressortir complètement défigurée alors qu'elle était sur le siège passager, et sa sœur Nick, qui était au volant, culpabilise à mort forcément après ça. La grande partie du roman va se passer après l'accident, les remords de Nick, comment elle va essayer de se racheter auprès de sa sœur. Et si pendant une bonne partie du roman, on se dit que c'est limpide et que ça coule de source, on arrive à un certain stade à se poser mille et une questions de quoi ça s'agit, de comment c'est possible. Et même vous avez beau vous faire tous les scénarios que vous voulez, même le pire d'entre eux, quand l'auteur vous révèle finalement l'aboutissement de tout ça, vous dites ce n'est pas possible. J'ai vraiment eu une étrange sensation quand j'ai terminé ce bouquin. Du coup, ça en fait un roman marquant,
et très très particulier. Ouais, vraiment particulier. Mais j'ai adoré. J'ai hésité à vous mettre le premier tome de Retour à Tudarkov, La Maison d'Hôte de Debbie McCumber dans cette sélection. Comme sa version poche est parue chez J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse, ça nous évoque forcément des romances contemporaines certes, mais grosses romances quand même. Et finalement quand on lit, pour moi, c'est pas une romance. Le personnage de Joe Marie arrive à Tudarkov et décide de reprendre une maison d'hôte, recommencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville avec des nouveaux habitants, histoire de se remettre d'un événement très traumatisant. En prenant plusieurs réservations, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à avoir besoin de recommencer à vivre quelque chose. Les personnes qui arrivent dans sa maison d'hôte ont clairement un passé pas évident. Cette histoire est à recommander si on n'a pas le moral, si on a envie de se sentir bien. Je pourrais un peu le rapprocher à Fangirl pour cet effet un peu doudou et chocolat chaud qui peut provoquer chez nous. Mais ça fait tellement du bien en fait d'avoir ce genre de bouquin qui vous redonne espoir, qui vous donne envie de vous lever le matin, de vous battre un petit peu pour les choses que vous aimez. C'est un roman tout simple, vraiment, qui casse pas trois pattes à un canard. Mais je le mets dans cette recommandation de lecture contemporaine parce que moi il m'a fait tellement du bien. Quand je l'ai lu, je me suis sentie tellement heureuse après. Voilà. Et moi, si une auteure arrive à faire ça avec des mots, je lui tire mon chapeau. Si justement vous avez envie de découvrir un peu de romance contemporaine, mais que vous n'avez pas envie d'un truc trop gnangnan chiant, je vous recommande Un jour de David Nichols. Sur 20 ans, on va suivre les personnages de Emma et Dexter qui vont se rencontrer, s'aimer, se détester, se retrouver, se séparer, enfin bref, vivre plein de choses. Mais ce qui fait la particularité de ce roman, on va vivre qu'une seule date, le 15 juillet de chaque année sur 20 ans dans la vie d'Emma et Dexter. Et après, il va falloir reconstituer tout ce qui s'est passé durant l'année en cours avec les informations qu'on a de ce fameux 15 juillet. J'ai trouvé la construction hyper originale, c'est justement pas niais. On se retrouve beaucoup dans les personnages qui ont des doutes, qui font des erreurs. On en vient à ma dernière recommandation, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers par Benjamin Alir Saenz. Aristote est un adolescent un peu mélancolique, voire morose, qui sait pas trop quoi faire de son été, et un jour il va tomber sur Dante qui va lui apprendre à nager. Ça va donner naissance à une amitié fusionnelle entre les deux garçons. Pour moi, la grande force de ce roman, c'est que l'auteur nous a offert des personnages justement, comme je vous le disais avant, très réalistes, très accessibles et terriblement simples. Moi, des fois, c'est ça qui me manque, que ce soit dans les romans contemporains adultes, ados, jeunesse. C'est toujours des personnages qui ont beaucoup de problèmes, qui ont une vie horrible à la maison ou horrible à l'école. Je dis pas que ça n'existe pas, mais pour moi, ça fait un peu trop reportage. Ça fait un peu trop Pascal le grand frère, et du coup, j'arrive pas du tout à me retrouver dans ces personnages-là. Et j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit, on retrouvait justement ce questionnement d'un adolescent qui aurait tout pour être heureux, hein, qui va bien, qui est en bonne santé, qui a deux parents qui l'aiment, etc. Et mine de rien, il y a quelque chose qui cloche, il n'arrive pas à comprendre certaines choses. Et voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre vraiment très bien fait, très bien construit. Parce qu'il est simple, ça en fait un roman unique. Voilà pour ces quelques recommandations de livres plutôt du genre contemporain. Si vous avez envie de voir d'autres recommandations de lecture d'un genre en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à savoir que j'ai déjà fait pour les romans ados, pour les albums jeunesse et pour les lectures jeunesse. Donc peut-être juste pas ces trois-là, je vous avoue qu'en général ils n'ont pas trop changé. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à une toute prochaine.